C'est super. Je remercie vraiment tout le monde, tous les militants qui ont participé dans cette campagne parce que ça a été du boulot. Et... Trop d'émotions pour finir son premier discours à la Fédération départementale du Parti Socialiste. Avec Jean-Charles Ballardy, Margot Lapeyre vient d'être élue sur le canton Albi II. À 26 ans, elle devient la plus jeune conseillère départementale du Tarn. Cette élection, c'est l'aboutissement de 10 années de militantisme au PS, un engagement sur lequel Margot a accepté de revenir après avoir mis son bulletin dans l'urne. Hop, à voter. J'avais 16 ans, donc pleine de fortes convictions comme aujourd'hui, et j'avais envie de transformer ça justement en engagement. Mais ça peut être politique comme associatif, et justement c'est cet engagement-là citoyen qui peut-être manque aujourd'hui pour le bien vivre ensemble. Au fil des heures, l'impatience et l'excitation se partagent le cœur de la jeune femme qui assiste au dépouillement. Ballardy. En début de soirée, c'est enfin la délivrance. Oh, bravo. Ça y est ? Oui. Bravo. Bon, tu seras la Benjamine ? Eh oui. Au conseil départemental, les félicitations accompagnent la nouvelle élue. Félicitations. Merci. Félicitations. Quand on est jeune, en plus femme, c'est pas facile aussi de s'affirmer dans ce milieu-là et aussi d'exister. C'est grâce à cette élection départementale qui est la seule élection qui respecte à proprement parler la parité. Et donc je pense que c'est une opportunité aussi. Margot, ses qualités, elle est tenace. Elle regarde... nous les anciens, enfin avec ce qu'on peut lui apporter, mais elle a toujours un regard critique quand même. Visiblement, la Benjamine du conseil départemental compte bien imposer ses idées au sein de l'hémicycle tarnais.